Good morgen, allez, Ida, enregistre aujourd'hui le Nishmat Avram, Mordechai ben Yitzhak Befani, ainsi que le Fatara Baruch Shmuel ben Léa et Léa bat Elisheva Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi aider dans une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Masechet Moed Katan, Perek Gimel Mishnah Alef, Ve'eilu Megalchin Bamoed, Abba mi Medinat Hayam, ou mi Bet Hashevia, Ve'yotse mi Bet Asurim, Ve'amedude Shitulu Chachamim, Ve'chen Mishenish Al Le Chacham Ve'hutar, On continue à découvrir maintenant les halakhot de Chol HaMoed, avec à présent un interdit sous-entendu et des permissions explicites. C'est-à-dire, la Michel va commencer à me dire « Ve'eilu me'galchin be'moed » telles sont les personnes qui ont le droit de se couper les cheveux ou la barbe même à Chol HaMoed. Donc, je déduis de là qu'il y a un interdit de se couper les cheveux et la barbe à Chol HaMoed, c'est la loi, la halakha qui est entre les lignes, une fois que tu l'as compris, alors maintenant, hein, sache qu'il y a des gens qui ont le droit de se couper les cheveux à Chol HaMoed. Pourquoi d'abord on n'a pas le droit de se couper les cheveux à Chol HaMoed ou de se tailler la barbe aussi, se raser? Pourquoi c'est défendu d'abord? C'est un décret que Chachamim ont fait, étant donné que, par souci, pour que les gens soient beaux à Chol HaMoed, et qu'ils se coupent les cheveux avant d'entrer, le jour le plus important de tous les jours des fêtes, en général, c'est toujours tout dans le premier jour, d'accord? Soukhot. On met le paquet dans le premier jour, c'est le grand jour de du grand chesed. Bon, il y a l'intrigue, d'accord? Pareil pour Pessah. Et du coup, imaginez avec tous les préparatifs qu'il y a avant Soukhot et tous les préparatifs qu'il y a avant Pessah, quelqu'un il arrive veille de Pessah ou veille de Soukhot avec une tête, les cheveux pas coupés, il n'a pas le temps de s'arranger. Et puis là maintenant, peu importe, devant lui il a un peu de temps. En deux mots, quoi. Il ne va pas prendre le temps pour se couper les cheveux si jamais il a la possibilité de se couper les cheveux et se raser à Chol HaMoed. Très naturel. On aura plus de temps dans nos jours. Pourquoi je vais me casser la tête à faire tout de suite? Je vais rester un jour avec une tête un peu folle. Mais c'est pas grave, au moins je pourrais faire ça tranquillement. Rami m'a dit, tu sais quoi? Sache que tu n'as pas le droit de te couper les cheveux à Chol HaMoed. Tu n'as pas le droit de te raser pendant Chol HaMoed. Comme ça, hein, tu vas te bouger pour le faire plus tôt. Et comme ça, tout le monde va arriver le soir de Yom Tov, tout beau, tout frais, chacun avec la police et... D'accord? C'est la raison pourquoi c'est défendu. Entre parenthèses, suite à ça, il y a une marloquette dans les poskim. Quoi faire à notre époque pour quelqu'un qui se rase tous les jours? Parce que, si vous faites attention, pour que les gens soient beaux à Chol HaMoed, Rami ont décrété qu'on n'allait pas se raser pendant Chol HaMoed. Mais du coup, les gens qui ont l'habitude de se raser tous les jours, s'ils vont plus se raser pendant Chol HaMoed, alors, spécialement pendant la fête, ils vont être moches, alors que d'habitude, ils ont l'habitude d'être beaux. À cause de ça, il y a Moshe Feinstein qui tend à permettre, en tout cas chez les gens qui ont l'habitude, de se raser pendant Chol HaMoed à cause de cette raison. Pour que, si tu t'es rasé avant la fête, alors il n'y a plus lieu de t'interdire à te raser aussi une deuxième fois pendant la fête, parce qu'au contraire, on veut que tu sois beau pendant la fête. Sur ça, il y a malgré tout les autres décisionnaires qui discutent, qui disent que non, pas du tout. Rami m'ont pris, ont décrété, on n'a plus le droit de jouer sur ça, donc du coup, on ne se rase plus du tout pendant Chol HaMoed. Ok? Ça, c'est pour le côté halakha lemaaseh. En tout cas, sache qu'il y a des personnes qui ont le droit de se couper les cheveux à Chol HaMoed. Entre parenthèses, la prochaine Mishnah, jetez un oeil tout de suite, il y aura écrit quoi? Velo mechabsin bamoed. Tels sont les gens qui vont pouvoir laver le linge à Chol HaMoed, parce qu'elle a le même décret pour les coupes de cheveux, il y a le même décret aussi pour le linge. On n'a pas le temps de faire les lessives, on est trop occupé, les gens ils vont reporter ça, ils vont dire bon, je laverai mes habits de fête à partir de. J'avais toutes mes chemises de fête, j'en avais qu'une seule qui était propre, j'en avais quatre qui étaient sales, j'ai pas le temps de les faire avant Chol HaMoed, avant la fête. Naturellement, on va tous reporter et se dire qu'on le fera pendant le premier jour de fête, après la sortie du Yom Tov. Rami m'ont dit, tu sais quoi? Pendant Chol HaMoed, tu laves rien, comme ça tu es obligé de tout laver avant. Ok? Et donc, on va se retrouver dans la prochaine Mishnah avec un parallèle direct avec notre Mishnah. Pour le moment, donc, on va sur Elo Megalchin Bemoed, tels sont les gens qui ont le droit de se couper les cheveux de Chol HaMoed. En deux mots, ceux qui n'avaient pas le temps et qui n'étaient pas fautifs. Ceux qui n'ont pas eu le temps ou le cœur, comme on va voir, pour se couper les cheveux avant Chol HaMoed. En l'occurrence, on a Abba Medinat Hayam, celui qui vient de la Medinat Hayam, il vient de l'étranger. Il arrive, veille de fête, il arrive avec son bateau, il n'a pas le temps de s'organiser. Là, on lui a permis. Idem aussi pour le Umi Bet Hashivia, celui qui sort de la captivité. Il était pris en captif et on l'a libéré veille de fête. Il n'a pas le temps de se couper les cheveux, il n'a pas le temps de laver son linge, il pourra le faire pendant Chol HaMoed. Parce que là, dans ce cas-là, on ne le reproche pas le fait qu'il n'a pas pu le faire avant la fête, il n'avait pas l'occasion. Idem aussi pour le Ve'yotse mibet asurim, pour celui qui sort de prison. Vous allez me dire, c'est la même chose avec la captivité. La réponse, c'est sur ça que le partenariat nous rapporte. On voit le même s'il était en prison chez des juifs.
et que les juifs lui ont dit coupe-toi les cheveux, et qu'il était en prison et qu'il préférait pleurer sur son sort, donc en deux mots, il avait la possibilité de se couper les cheveux, mais il était trop triste, il n'avait pas le cœur pour se couper les cheveux, on lui pardonne et on lui permet de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Idem aussi, de là entre parenthèses aussi, on apprend qu'on aurait coupé les cheveux à un enfant. Pendant Chol HaMoed, c'est déduit, on en parle avec cette Gemara. Aussi, je vous dis de préciser. L'enfant, parce qu'il n'avait pas le choix, il dépendait de ses parents. Si ses parents ils ont faute envers lui, il n'a pas de raison de subir la négligence de ses parents. Lui, il est comme si il est pris en prison, donc il aura trouvé les jeux. Je crois que ça rapporte dans la halakha d'ailleurs. Ve ayotsemi bata surin, ça donc celui qui sort de prison, on dit va menude chez tirolo chachamim, celui qui a été le nidouille, il a été banni. Soit il y avait un moyen de faire pression sur les gens à l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas faire certaines choses qu'ils voulaient les faire. Des fois on frappait, c'était comme le Bedin qui frappe, comme la police qui mange en prison. On pouvait mettre des coups sur la place publique, ou bien on pouvait faire aussi prononcer un nidouille. On le met en quarantaine, on le bannit. Ça implique que plus personne ne va pouvoir s'approcher de lui. On ne rentre pas dans ses quatre amotes, il n'a plus le droit de s'associer dans un minyan. Et notamment aussi, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'aura même pas le droit de laver son linge aussi. Et donc, le but, c'est pour qu'il cède et qu'il fasse tchouva, et qu'il accepte de faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Dans plusieurs situations, on impose à quelqu'un de faire, on lui fait un nidouille s'il ne fait pas les choses. Donc, du coup, maintenant, il est rentré dans la fête pendant qu'il était en nidouille, il avait le droit de se couper les cheveux. Pendant Chol HaMoed, il va voir le rav et dire rav, ça y est, j'accepte ce que vous me réclamez, que je dois faire, que je dois payer, que je dois témoigner, que peu importe quelle est la raison pourquoi on l'a mis en nidouille. Alors là, puisqu'on l'a permis pendant Chol HaMoed, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux avant, il a la permission qui commence pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Idem aussi pour le Vechen Mishenish al Lechacham Beitir, celui, Veutar, celui qui est parti demander une dérogation au Chacham, et on lui a permis, soit quelqu'un qui avait fait le vœu de ne pas se couper les cheveux. On sait quand on fait les nédarim, un néder, un vœu, et bien on a la possibilité ensuite de faire Atarat Nédarim en allant voir le Chacham en lui disant que si j'avais pris en considération cette circonstance, jamais je n'aurais commencé mon vœu, le Chacham il va lui dire Motarlach, Motarlach, il lui permet le néder. Maintenant, il avait fait le vœu de ne plus se couper les cheveux. Il a vu quelque chose qu'il a dit, il a pris sur lui, qu'il ne veut pas se couper les cheveux pendant 3 mois par exemple. Finalement, en pleine fête, il arrive à voir le Chacham et dit « Je tiens plus avec cette tête, ça me fait trop chaud, ça me fait de la saleté, peu importe, je veux me couper les cheveux. Si j'avais pris en considération que ça allait être tellement insupportable, je n'aurais pas pensé. Le Chacham, il pourra être matir le néder, il va lui permettre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se couper les cheveux ? Réponse, on a le droit de se couper les cheveux parce que, justement, la Mishnah enseigne que c'est comme quelqu'un qui avait l'impossibilité de se couper les cheveux avant et puis maintenant, il a le droit de le faire, donc on lui permet. Vers Nazir, aussi celui qui était Nazir, celui qui a pris sur lui du Nazir, de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours, de ne pas s'impurifier pour les morts aussi. Passe les 30 jours, ça arrive, on est en plein dans Chol HaMoed, on lui permettra de se couper. Vers Metzora, chez Aole, Mitum Atole, Taorato, et d'aime aussi pour le Metzora, pour le lépreux, qui va monter de son impureté à sa pureté. Soit, lorsque le lépreux, c'est tout un rituel, depuis la première fois, on commence à l'enfermer, et pendant 7 jours, puis après nous avons 7 jours, après on va décréter qu'il est réellement Metzora, il va partir. On est en dehors du campement, en dehors de la ville. Et une fois qu'il est devenu propre, que la lèpre est passée, alors là, le Chacham, le Kohen, va entamer le rituel pour le purifier. Et puis ensuite, là, alors maintenant, pour entamer ce rituel, il faut qu'il se coupe les cheveux. Et qu'il lave ses vêtements même. Là, qu'il se coupe les cheveux en tout cas. Et donc du coup, il se coupe les cheveux au 7e jour, il rapporte. Et donc, on lui permettra, pendant, si ça tombe à Chol HaMoed, on lui permettra pendant Chol HaMoed d'aller, de se couper les cheveux pour continuer le rituel de purification. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Sera.